Sont les personnes candidates au baptême. Il faut approcher alors, les autres vont vous entourer. Papa, il arrive. Nous allons, tous les serviteurs, restez silencieux. Où sont les, où la troisième, deux, quatre, six? Il y a encore deux. Papa, ah, papa arrive. Il y a qui d'autre? La sœur Dieu veille. La sœur Dieu veille. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que celui qui est parti au ciel a recommandé à ses disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute l'humanité. Il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La Bible nous dit aussi qu'il y a de la joie dans le ciel car un seul se convertit. Donc en ce moment au ciel, si le Seigneur pouvait nous ouvrir le ciel et voir ce qui se passe là-bas, les trompettes sont en train de sonner. Le nom de Jésus est en train d'être célébré parce qu'il y a des âmes qui vont sceller l'alliance spirituelle avec le Seigneur. Vraiment, c'est un grand jour pour le ciel, mais pour nous d'abord, pour vous aussi, qu'elle est devenue de vrais enfants de Dieu. Parce que si tu ne nais de l'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons prier tous ensemble, nous allons remercier le Seigneur pour ce jour aussi. Nous allons recommander les âmes au Seigneur. Et quand nous battons, nous allons recommander au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Merci d'avoir appelé ces âmes au salut. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit saint. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Merci pour les âmes que tu as écrites. Donc tu as écrit leur nom au ciel. Tu as nous envoyé à prêcher l'évangile. Que tous ceux qui vont voir à toi et qui sont Seigneur Jésus, merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander au Saint-Esprit maintenant de descendre sur chacun de nous. Demandons, prions, demandons au Saint-Esprit de descendre afin maintenant de remplir chacun de nous de sa présence et insistons sur les personnes qui candidatent au baptême. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, voici tes enfants qui viennent se présenter à toi pour sceller l'alliance. Seigneur, si tu n'attires, personne ne peut venir à toi. Merci Saint-Esprit parce que tu les as tirés du monde égaré et pour les amener à ton admirable lumière. Nous prions maintenant, Saint-Esprit de Dieu, au moment où nous allons procéder à cet acte spirituel, de les remplir de ta présence pour la gloire de ton Seigneur et pour le salut de leurs âmes. Viens maintenant et glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous allez chanter, mais vous allez chanter quand même pas pour, vous savez, tout le monde n'est pas chrétien. Vous allez chanter pour nous, quoi. Donc, nous allons commencer. Merci. Amen. Soyez fortifiés. Est-ce que les mamans ont prévu quand on vous trempe dans l'eau du bâton, on a dit de mettre au moins un truc parce que parfois l'eau vous coule tout le corps. Est-ce que vous avez prévu un petit pagne ou pas? Toi, maman, tu as apporté un truc pour elle? Ah, ok. Toi, tu vas apporter ce que... Hein? Va apporter mon petit sac qui a une tenue dedans. Tu veux porter ça après?
Mon petit sac. Non, mais je mets après. Tu veux porter ça? Tu veux quand tu baptises comme ça? Non, je mets les chaussures, je mets ça. Oui, tu veux pour faire comme ça, échanger après? C'est un t-shirt, hein? Oui, ça vient gros sur toi. T-shirt? Oui, c'est un t-shirt. Non, j'ai dit que tu veux garder un t-shirt pour lui. Ça va? Bah, c'est bon, c'est bon. Bon, lève les chaussures, bébé. Ça, c'est pas pour nous. Il est le roi, il est le Seigneur. Il a fallu. Pasteur, frère, tu parles un peu fort pour que ça rentre. Parlez un peu plus fort. Amen. Jésus.
Shadrach a confirmé la foi. Le Seigneur écrit son nom dans le nom de Jésus. Écrit son nom dans le nom de Jésus. Écrit son nom dans le nom de Jésus, Seigneur. Car tu es fidèle. Nous savons que tu as pacté le fait de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le frère Shadrach. Au nom de Jésus. Selon la foi que tu as manifestée, le désir d'être baptisé, tu es mort avec le Seigneur Jésus et tu es ressuscité de Jésus. Nous te baptisons au nom de Jésus-Christ. Et béni le roi de toi. Amen. Rempli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur Jésus, Amen. 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 Au nom de Jésus, Jésus. Nous le aussi. David est ton nom maintenant. Tu ne t'appelles plus Davidson, tu t'appelles David au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a plus Davidson, il n'y a plus ça.
nom maintenant. Il t'appelle David. Le Seigneur dit que dans le nom de David, le Seigneur accomplit maintenant les œuvres de David dans sa vie. Accomplit les œuvres de David dans sa vie. Accomplit les œuvres de David dans sa vie. Dans le sang de Jésus. Va et sois un chrétien vainqueur à toutes épreuves, un vaillant soldat. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le frère David, il ne s'appelle plus David Saul. C'est David. David. Il n'y a plus David Saul. Le frère David. Alléluia! Gloire à Jésus! Alléluia! Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus qui est sorti du tombeau. Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus qui est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer tous ses faits, il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer tous ses faits, il est ressuscité. Amen.
ton âme, fais parler de le Seigneur. Il est glorieux.
pas grave. Ce n'est pas grave. Il est Abraham. Son nouveau nom. Il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Il va venir nous chercher. Bien aimé, c'est que le Seigneur te bénit. C'est pourquoi le Seigneur te bénit de travail qu'il y a pour toi. Il va encore te bénir encore. Quand tu commences à parler, tu peux te venir à baisser un peu le ton. Je vais diminuer un peu là parce qu'il est en train de parler. C'est... Amen. C'est ça, c'est... Amen. Maintenant, voilà ce que tu vas faire. Amen. Vous allez vous dire. Vous n'allez pas lâcher. Saint-Esprit, agis parmi nous.
Il revient bientôt, Jésus. Sors de cette flamme de la lumière éternelle. C'est toi la femme sainte, c'est toi la femme merveilleuse.
Afin que tes enfants aussi viennent à Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Je suis venu là comme ça pour la déclasser. Et tu m'as là tout en bas, je suis refroidi. Non, je suis refroidi. Non, non, non. Amen. Distinguer avec les autres maris, vous allez dire Marie de Jésus. Marie de Jésus. La grâce de Jésus. La grâce de Jésus. Alléluia. La grâce de Jésus. Ah, je suis contente. Que la grâce de Marie soit sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Marie de Jésus, lève la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur et Jésus a loué. Lève la victoire et de la vérité a sonné dans ton cœur et Jésus a loué. Lève de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur et Jésus a loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué. Et de la vérité, de la victoire, et de la vérité, la sonnée dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, dans la vérité. Que Jésus soit loué, vérité, dans la victoire, et de la vérité, a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué, dans la vérité, 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 de la victoire. Que Jésus soit loué. De la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Dans de la victoire. Et de la vérité. La sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué dans la vérité. 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 Amen. Dans la victoire. De la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans la victoire. De la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Nous aimons la vérité, dans la vérité, vérité, dans la vérité. Nous aimons la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Le
c'est à Jésus-Christ. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu. Toutes les nations sont interconnectées à Jésus-Christ. Le réveil à Dieu. Le réveil à Dieu, le réveil à Dieu, le réveil à Dieu, toutes les nations sont en train de connecter à Jésus, le réveil à Dieu. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli, nos vallées déchirées. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, nos vallées déchirées. Tout est accompli, victoire. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ton retour est pour bientôt. Amen. Ta parole est vérité. Alléluia. Alléluia. La Marie de Jésus et Jésus. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui était. C'est lui qui est. C'est lui qui vient. Jésus. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, et bénis le roi des rois. Chante. Alléluia, souviens-toi de l'amour de Dieu. Alléluia, et bénis le roi des rois. Et bénis le roi. Toi de l'amour de Dieu. Alléluia. Et bénis le roi des rois. Et bénis. Alléluia. Alléluia. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu redescend. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu. Du haut des cieux descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu descend. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu descend. Que l'esprit de Dieu descend. Que l'esprit de Dieu descend. Que l'esprit de Dieu. Du haut des cieux descend. Que l'esprit de Dieu descend. Que l'esprit de Dieu descend. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, du haut des cieux descend, que l'Esprit de Dieu descend, alléluia, que
l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu descend. Alléluia. Que l'ancien de Dieu, tu veux les cieux descend. Que l'ancien de Dieu descend. Alléluia. On n'a pas entendu. Alléluia. Que la puissance de Dieu est descendue. Alléluia. Nous sommes victorieux, oui, nous sommes victorieux. Par l'Éternel, il nous donne la victoire. Par l'Éternel, la victoire. Nous sommes victorieux, oui, nous sommes victorieux. Alléluia, c'est le Saint-Esprit qui donne. Il a confirmé Marc. Gloire à l'Éternel qui nous donne la victoire. La victoire. Oui, nous sommes victorieux. Gloire à l'Éternel qui nous donne la victoire. Oh, tes nations. Amen. Est allumé aujourd'hui. La Sainte Dieu veille. La Dieu va bien veiller sur nous. Alléluia. Jésus. Du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus se rassemblent pour accueillir le roi des rois. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé dans le monde entier. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus sera sans pour accueillir le roi. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Le feu du réveil est allumé aujourd'hui. Le feu du réveil est là. Que toutes les nations se préparent. Que tous les saints se mobilisent. Que tous les élus sera ça pour accueillir. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ton amour est éternel. Jésus, ton amour est éternel. Amen. Jésus, ta grâce est infinie. Amen. Alléluia. Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Débordé, débordé.
joie du Seigneur va déborder. La joie du Seigneur va déborder. Jésus qui te revient très bientôt. Alléluia. Amen. La prière sur la terre. Sur la terre, il y a rien, c'est vanité. Regarde ici là. Tout le monde glorifie-le. Tout le monde adore Jésus. Jésus, Jésus. Venez voir comme Jésus-Christ est mort. Venez voir comme Jésus-Christ est mort. Chauffez, chauffez, chauffez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Oui, Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Viens, ma fille. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il est vraiment bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Il est très bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Si vous me voyez chanter, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Si vous me voyez chanter comme ça là, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Débordé, débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Débordé. Si vous me voyez sauter comme ça, c'est que la joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Débordé, débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Débordé, débordé. La joie du Seigneur m'a débordé. C'est que la joie du Seigneur m'a débordé. Les impressions. Les impressions, papa Marc, quelles sont vos impressions après, n'est-ce pas, ce moment de baptême? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Oui. La délivrance totale. Il dit qu'il a ressenti la délivrance totale. Alléluia. Jésus, que la joie du Seigneur m'a débordé. Serviteur, Chadrate, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce moment de baptême? J'ai senti la paix, paix d'âme et d'esprit. Alléluia, la paix! Qui est le fruit de l'esprit. Alléluia, acclamons Jésus. Alléluia.
la servante Marie. Alléluia. Quelles sont vos impressions après ce puissant moment de baptême? J'ai senti la joie. La joie. Alléluia. La joie. La joie du Saint-Esprit. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. J'ai la joie dans mon cœur. J'ai la joie de Jésus. Ah, oui. Alléluia, shalom serviteur. Shalom, shalom. Quelles sont vos impressions après ce moment de baptême? Pour moi, je suis bien et puis je suis un peu léger. Je vous sentez léger, voilà. Parce que Jésus l'a déchargé. Déchargé, oh, libéré. Déchargé, oh, libéré. Ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, libéré. Ma vie en Jésus l'a déchargé, oh, Jésus l'a déchargé des fardeaux. Les fardeaux qui pesaient en lui. Jésus l'a délivré. C'est pourquoi venez à Jésus. Jésus va vous décharger des fardeaux qui pèsent sur votre âme. Jésus-Christ va vous délivrer des fardeaux. Venez à Jésus, il va vous délivrer des fardeaux qui pèsent sur votre vie. Alléluia. Alléluia. Shalom, Abraham. Abraham. Alléluia. Jésus. Quelles sont vos impressions? Le CH à votre nom, il vous a donné le nom d'Abraham. Quelles sont vos impressions après ce moment de baptême? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant le baptême? Alors, pendant que vous étiez en train de prier pour moi, j'avais les yeux fermés. Oui. J'avais plein de flashs comme ça. Je me disais, est-ce que c'est le soleil ou est-ce que c'est le comme s'il y a quelque chose. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, wow, montre-moi. Après, ça s'est accentué. Les flashs se sont accentués. Wow. Comme ça. C'est ce que j'ai ressenti, mais après, j'ai pas eu de. Gloire. J'ai eu des flashs, plein de flashs. Ah, la gloire de Dieu. Wow, gloire à Jésus, alléluia. Le frère Abraham, le CH est son nom. Il s'appelle maintenant Abraham. Abraham de Jésus. Alléluia. J'ai chargé. Depuis que j'ai l'inconnu, il a chargé ma vie. Et maintenant, je suis déchargé, libéré. Déchargé. Jésus là, Jésus là, Jésus là, déchargé au lit. Marie Jésus là, déchargé au lit. Je me sens toute légère, déchargé au lit. Je me sens toute légère. Jésus est bon, Jésus est bon. Venez à Jésus, il est bon. Alléluia. Venez goûter comment Jésus est bon. Alléluia. Venez goûter comment Jésus est bon. Venez à Jésus. Venez voir comme Jésus qui c'est bon. Venez voir comme Jésus qui c'est bon. Venez voir comme Jésus qui c'est bon. Venez. Venez voir comme Jésus qui c'est bon. 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 À la mention de son nom, tout genou fléchit. À la mention de Jésus, à la mention de son nom, à la mention de Jésus, tout genou fléchit. Il est Dieu. Il est roi des rois. Il est Dieu. Il est roi des rois. À la mention de son nom, à la mention de son nom, j'ai tout fléchi. Oh, la joie là, la joie là, d'où je la confère, à la mention de son nom, à la mention de son nom, Jésus,
Seigneur, alléluia, alléluia. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Jésus est roi des rois. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Jésus est roi des rois. Jésus,
Seigneur Jésus. Sois loué. Sois loué. Salut, Seigneur Jésus. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Alléluia. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Ébénis le roi des rois. Ébénézer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Vous êtes en retard, vous. On comprend pourquoi. Ah bon? On comprend pourquoi maintenant. Ah. Jésus voulait qu'on puisse chanter pour que les gens entendent. Gloire à Jésus. Tout ce que Dieu fait bon. Chantons et bénissons la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi. Vous n'étiez pas là quand on faisait les impressions? Oui, quelles sont vos impressions, servant de Dieu? Et après ce moment de baptême, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous voulez témoigner? Après, on est sacrifié. Je me sentais très très légère. Vous sentez très très légère? Oui. Mm-hmm. Ils m'ont plongé dans l'eau. Ok, gloire à Jésus. Alléluia. Elle se sent très très légère après. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ah la sœur, oui. Vos impressions après ce moment. Quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez témoigner? Alors, Toshi, rentrez. Et toi, nous, commencez à poser des questions. Et puis, moi, c'est un cadre. Là, c'est vraiment. J'ai vu. Je ne voyais pas votre corps, mais je voyais des tubes. Des tubes, oui. Comme des tubes debout. Oui. Dans l'eau. Oui. C'était comment? Comme des tubes. Ça avait quelle couleur? Ça avait quelle forme? Brillant. Brillant. Alléluia. Wow. Vous voyez ça? Elle est quand nous voyait dans l'eau là. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Elle voyait. Elle vous voyait tout brillant. Elle nous voyait ça. J'avais beaucoup de lumière dans les yeux. Il y a un moment où je n'arrivais pas à regarder. Et du coup, je me suis sentie bien. Il y a quelque chose, j'ai senti quelque chose sortir. Je ne sais pas, mais. Donc voilà, gloire à Jésus, donc on va évangéliser maintenant, parce que là c'est pas la condamné. Bénissons le Seigneur pour la vie de tous nos frères qui sont les tout premiers baptisés de la communauté de Jésus. Bénissons le Seigneur pour notre doyen dorénavant, c'est Papa Marc. Alléluia. Papa Marc va être le doyen de l'église. Alléluia. Alléluia. Alors, toujours nous souvenir de lui par les prières, par les intentions et toutes sortes de bonnes émotions en sa faveur. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous a donné Abraham, Sarah, Marie de Jésus, Marie,
Marc. Alléluia, c'est qui Abraham? Abraham, c'est le Abraham, le père de la foi. Alléluia. Abraham et Sarah. Alléluia. Et Sarah. Lui c'est David. Amen. Il n'est plus David seul. David et Jésus. David et Jésus. Alléluia. Amen. Et papa est resté Marc. Il est resté Marc. Elle est restée Dieu veille. Amen. Dieu qui veille chez nous. Alléluia. Marie. Il y a deux maris. La différence des deux maris, c'est que là c'est Marie de Jésus et là c'est Marie. Marie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous allons. Qu'on te reconnaisse. Beaucoup d'abord. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons respecter les autres. Nous allons faire en sorte qu'ils ne soient pas mal à l'aise, ou bien que la police musulmane ne nous vive pas comme des malpropres. Donc nous allons prier de façon modérée, seulement pour nous ici. Amen. Nous ne sommes pas venus. Ce que nous sommes là, ce que nous avons fait là, c'est l'évangélisation. Ils voient bien ce que nous faisons. Amen. Donc nous allons remercier le Seigneur, vraiment bénissons le Seigneur. Un point normal pour nous ici. Pour ce qui nous a permis, il a réalisé cela. Le Seigneur nous a dit que l'église ne sera plus jamais la même. Nous allons aller d'espoir en espoir, de palier en palier. Et ceux qui étaient là depuis le départ, vous avez vu que les choses sont en train d'évoluer au fur et à mesure. Amen. Remercions le Seigneur pour la vie des nouvelles âmes qu'il a écrites dans le royaume des cieux. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu as cassé ces choses en grand de ce monde et tu les as rendues aux petits. Aux personnes humbles, aux personnes simples. Seigneur, merci. Le secret de la vie, c'est tout ce que tu as fait. Dans toute ta gloire, tu es indésirable. Toi qui nous permettais de oui, Seigneur éternel, notre Dieu, remplis-les d'avancer avec ton onction. Remplis-les, Seigneur Jésus-Christ, de ta présence. Nous disons merci de ramener encore de nombreuses âmes. Oui, Père, il y a beaucoup d'âmes, Seigneur Jésus-Christ, dans les prisons, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Papa, nous attendons, nous attendons, et c'est un chemin de Jésus-Christ. Tu nous l'as promis de disposer les cœurs. Tu l'as vraiment fait. Merci Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont venus soutenir. Tous ceux qui sont venus soutenir ce combat. Oh Seigneur, bénis chacun Seigneur. Et que la gloire soit à Jésus seul. Notre seul vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons donner 10 minutes. À l'ancien, beaucoup plus en direction des nouveaux baptisés. Il va dire un mot, peut-être, je vais vous citer, peut-être. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu des cieux et de la terre. Il a planifié depuis, nous ne savions pas. Voilà, il n'y a pas longtemps, il est le maître des temps de Seigneur. Nous savons que c'est le péché qui nous a éloigné de Dieu. C'est le péché qui fait que nous pensons que nous sommes venus. Aujourd'hui, Dieu, dans son amour, a élaboré un plan B, après s'être séparé de l'homme, de la création du mal, je le rappelle. Quand le Seigneur Jésus était dans ce monde, les gens ne pouvaient pas le comprendre son plan, ils ne pouvaient pas savoir que c'était lui Dieu. Et il a fait ce qu'il a prévu de sa préscience. Et il est parti. Il a donné comme mission à ses disciples de continuer la mission que lui-même il avait commencé sur le terrain de chemin. Et quand Pierre, le jour de la Pentecôte, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a été de cœur en lui. Il a expliqué aux gens que non, les gens n'ont pas vu, les gens n'ont pas vu, que c'est la puissance du Saint-Esprit qui le Seigneur avec lui depuis le monde là qui est arrivé. Et que ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit qui sont en train, qui sont dans la joie, ils sont pas, ils sont du Saint-Esprit au fait. Et non,
d'alcool. Alors, ayant expliqué ce que Jésus a fait, qui est Jésus, les œuvres qu'il a accomplies, sa résurrection, que beaucoup de gens ont assisté, les gens ont demandé, mais ils ont compris en fait que c'est Dieu qui est en action. Grand effet. Et Dieu a dit, répentez-vous, là, détendez, je vais baptiser le Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est le Seigneur qui a instruit cette période du jour de repentance. La parole de Dieu dit, le frère l'a rappelé hier, je crois que c'est dans un enseignement, que l'un Dieu est fidèle. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle, il les pardonne. Et pour effacer tout ce qui est. Frères et sœurs, vous avez passé cette période de repentance. Et vous avez passé à Jésus. Vous avez crié à Jésus. Priez à Jésus, je crois que vous a pardonné. Elle est dans sa parole. Et donc, c'est le repentez-vous. Aujourd'hui, vous êtes baptisé au nom de Jésus. Amen. Pour le salut de vos âmes. Amen. Rappelons-nous que le Seigneur a dit à Nicodème, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu si le nez d'eau et d'esprit. Dans Jean 1, 5. Aujourd'hui, vous êtes les d'eau et d'esprit. Amen. Vous êtes donc entré. Vous avez le droit d'entrer dans la maison de votre Père. Le droit de citer. Le droit de citer. Et votre nom est ainsi inscrit dans le livre. Tout à fait, encore une fois, madame le Seigneur Jésus qui a permis toutes choses. C'est le premier baptême de Jésus en France. Le Seigneur nous a dit, quand le serviteur Samuel et moi-même, nous avons venu, l'apôtre Paul du Bérin, Jésus a fait le baptême de Paul du Bérin, que nous allons de dimension en dimension, de grâce en grâce. Nous sommes en train de voir comme quoi notre Dieu est Dieu. Frères et sœurs, dans 1 Pierre 3:21, il est écrit que le baptême est un engagement de bonne conscience. Nous ne voulons pas nous poser un acte qui est un symbole spirituel, mais c'est un engagement. C'est un mariage que vous avez fait avec votre époux. Vous savez que c'est votre époux. Nous avons renouvelé notre alliance avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Père, notre Créateur. Nous avons désobéi, aujourd'hui nous sommes venus à lui. Nous n'avons plus le droit au péché, frères et sœurs. Nous devons fuir le péché. Souvenons-nous que c'est le péché que nous avons éloigné de Dieu. Et maintenant, il a fait un plan de rachat et nous a rachetés. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17 que les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen, amen, amen. Nous sommes maintenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes tous des nouvelles créatures. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous devons le savoir. L'impudicité, c'est passé. L'adultère, c'est passé. Le vol, c'est passé. Le mensonge, c'est passé. Les copinats, c'est terminé. Nous devons mener, frères et sœurs, une vie de sainteté. Tout simplement parce que 1 Corinthiens 6:19 nous dit. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Tout à l'heure, on a fait l'imposition. Nous avons fait l'imposition. Enfin, vous le reçuez. Vous reçuez le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu. Donc, le Saint-Esprit en nous vous conduira dans la voie de la sagesse, dans la voie de l'amour. Frères et sœurs, nous devons vivre Christ. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans Galates 3, dans Galates 3, 27, je crois, oui, que celui qui est baptisé en Christ a revêtu Christ. Si nous avons revêtu Christ, frères et sœurs, nous devons vivre comme Jésus a fait, sans péché. On dira que ce n'est pas évident. Mais le Saint-Esprit nous commet le péché. Avant de commettre le péché, il nous prévient, ne faites pas ci. Il suffit d'être disposé à l'obéir, disposé à l'écouter. Vous voyez, ça peut arriver, mais aussitôt le Saint-Esprit dit, vous avez péché. Vous repentez. Aussitôt vous repentez, frères et sœurs, n'oubliez jamais de vous laver du sang de Jésus. Aussitôt après la repentance. Sinon votre repentance est zéro. Repentance, se laver du sang de Jésus. Abandon. Abandon. La repentance, c'est quoi? J'ai confessé, j'ai regretté. Mais je ne ferai plus. J'étais voleur, j'ai crié au Seigneur. Oh, pardonne-moi, j'ai volé. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est bien, il nous a pardonné. On doit revenir sur ses péchés. Sinon, c'est fait mourir Christ une deuxième fois. Il ne mourra plus une deuxième fois. Nous devons en être aussi. C'est pour dire quoi? Vous avez posé un acte d'amour, un acte de foi. Hein? Un acte de foi, un acte de confiance, parce que la foi c'est la confiance en Jésus-Christ. Maintenant marchons sur la parole. Amen. Et nous devons, en ce sens,
être dans la méditation. C'est quoi la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses, comme il est écrit dans l'Hébreu 11, une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais pour avoir la foi, il faut lire la parole de Dieu. Quelles sont ses promesses? Connaître ses promesses pour que notre foi soit ajustée. Dans une autre fois, donc, je nous invite à demeurer dans la méditation, à demeurer dans l'amour de Christ, demeurer dans la parole, car c'est la parole qui nous sanctifie. C'est pas la parole que nous allons marcher, passer partout pour ne pas se faire piéger, mais nous sommes, nous évangélisons, on pose des questions, il va falloir que nous puissions répondre aux frères et sœurs par rapport à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen. Que dans son amour, il vous fortifie. Amen. Cette alliance doit demeurer éternellement, n'oubliez jamais. C'est un mariage. C'est pour ça qu'on parle de Christ, c'est notre époux. L'église est l'épouse du Christ. Soyez bénis, soyez fortifiés. S'il y a des soucis, les serviteurs, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous exhorter, pour vous conseiller. Amen. Donc, nous sommes des frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec les frères et sœurs du sang. C'est rien de famille. Non, nous formons une famille particulière tout simplement parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Parce que nous avons été baptisés en l'Esprit de Jésus. Nous avons venu vivre dans l'amour, dans la paix. Nous devons manifester, frères et sœurs, le fruit de l'esprit. Car Dieu est esprit, on dit. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, l'indulgence, la bonté, la douceur, la tempérance, la fidélité. Voilà, nous devons essayer de porter ce fruit. C'est ça qui va caractériser celui qui a reçu Jésus dans sa vie. Frères et sœurs, je suis très heureux d'être au milieu de vous. Je me dis, c'est le dimanche que je suis heureux, parce que je retrouve souvent mes frères et sœurs Jésus-Christ, hein, parce que nous ne sommes plus du monde. Quand vous venez sincèrement à Christ, les gens du monde vous abandonnent, parce qu'on ne peut pas vous comprendre. Jésus-Christ, c'est une folie en fait. Et le Seigneur Jésus a dit, lui, il vient à moi, s'il m'est attiré du Père. Nous sommes attirés à Jésus. Nous n'avons pas choisi d'être là. Le Seigneur l'a dit lors de nos prophéties, que c'est lui qui nous a choisis. Donc si c'est lui qui nous a choisis, si c'est lui qui nous a mis ensemble, nous devons vivre ensemble, malgré nos différences. Quoi qu'il arrive, nous regardons à Christ. Quand on regarde à Christ, on nous dit tout le reste. Soyez bénis, fortifiés, frères et sœurs. Amen. 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 Juste deux secondes, un petit mot. Le Seigneur, deux choses. Soyez toujours joyeux. Les personnes, parfois on pense que devenir être chrétien ou quand on devient chrétien, on devient triste, on devient renfermé, on devient... Non. C'est nous qui devons avoir la joie la plus parfaite. Pour que quand on voit un chrétien, qu'on sache que c'est un chrétien, son visage est beau à voir, son visage est rayonnant, il est épanoui. Amen. Le chrétien ne doit pas être triste, donner l'impression que sa sainteté, c'est une sainteté de prison. C'est une sainteté de lien. Beaucoup de personnes confondent la sanctification à la prison, à la religion. Sont heureux, sont épanouis en étant chrétiens. C'est ça aussi l'évangile que nous prêchons. Parce que si quelqu'un te regarde en tant que chrétien, ne voit pas la joie, tu lui communiques, il dit, mais moi si je deviens chrétien, je n'aurai pas la joie comme toi, mais comment je vais devenir chrétien? Non, il faut qu'il te voit, tu es joyeux, il te voit, tu es lumineux, il te voit, il te dit, mais le secret de ta joie même c'est quoi? C'est pour ça que la Bible dit, soyez toujours joyeux, je vous le dis, soyez toujours joyeux. C'est le premier point. Le deuxième point pour nous, c'est être dans un lien de communion fraternelle, selon amour. Amen. Que les préoccupations de ton frère sont aussi tes propres préoccupations. La solidarité réciproque. Amen. Autant que cela dépend de nous, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, vraiment, il faut vraiment le Seigneur veut voir son peuple comme nous là, unis dans un lien d'amour, dans un lien de fraternité sincère. S'il y a un truc qui ne va pas, tu appelles ton frère et dis que mon frère, l'histoire là, est-ce que lui va s'expliquer, vous allez vous expliquer. Amen. Je voudrais remercier particulièrement un serviteur, le serviteur pour vraiment. Alléluia. Ce jeune serviteur. Amen. Le Seigneur te bénisse. Vous savez que le serviteur pour vit en Allemagne. Et chaque fois qu'on l'a sollicité, il est venu. Quand il vient comme ça, là, ça veut dire qu'il est parti de chez lui jeudi. Et comme nous, on paye seulement Flixbus à cause des budgets de l'église, donc il peut taper 10 heures de parcours. Il arrive vendredi matin. Et quand il va rentrer,
dimanche, par exemple, il va taper toute la nuit, le lendemain, il va aller au travail directement. Le manqué le Seigneur te bénisse. Amen. L'amour que tu as pour le Seigneur. Viens soutenir Paris. Paris, la France devra aussi aller soutenir l'Allemagne bientôt. Amen. Parce qu'il y a les baptêmes aussi qui se préparent là-bas. Alléluia. Nous avons vu la main du Seigneur est sur lui. Il est vraiment zélé pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Malgré son jeune, il est très jeune. Il veut toujours se présenter comme quelqu'un. Mais arrêtez ou dans son âme, vous allez vous tomber. C'est moi qui vous le dis. Arrêtez ou dans son âme, vous allez vous renverser. Ne dis pas. Gloire à Jésus. Toi, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Toi, Alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il y a évangélisation. C'est la priorité de l'Église. Le Seigneur nous a dit d'aller annoncer son retour. S'il vous plaît, ne faites pas ça ici. Parce qu'on n'a pas reçu l'autorisation. Nous devons marcher dans les normes des choses. Sinon, quand on va revenir, on nous dit de ne pas entrer. On n'a pas demandé l'autorisation. Pardon, gardez vos tracts. Nous allons évangéliser là où nous avons reçu la permission. Ou alors, loin d'ici. Quand on dit que c'est les chrétiens qui étaient fait les baptêmes là-bas. Et le directeur de la police municipale va dire, vous ne venez plus. Il faut être sage aussi. Amen. Amen. Donc, ne faites rien ici. Ressortons. Nous avons une autorisation pour Paris. Château Rouge. Château Rouge. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur s'est glorifié hier lors des délivrances. Le Seigneur est vraiment... C'est pour ça la main du Seigneur est vraiment sur le peuple de France. Amen. Le Seigneur a fait des grandes choses. Amen. Gloire à Amen. Jésus. Donc, les prochains candidats au baptême, ne ratez pas, on va vous donner la date, ne ratez pas, parce qu'on n'est pas sûr de faire 3 baptêmes de suite. Sauf si vous voulez qu'on vous baptise en hiver. C'est vous qui allez supporter et ce sera fait. Mais c'est nous. Mais vous aussi. Nous, ce sera ici. Mais eux, ce sera. Donc, nous allons vous proposer une date au mois d'août. Où ne va pas passer le baptême en France. Amen. Nous allons prions. Seigneur Jésus, grand Dieu, grand roi, Fils Saint, éternel Dieu des amis, roi de gloire. Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur. Pour ce puissant moment de baptême que tu as permis, Seigneur.